Et salut tout le monde, c'est Jerem, on se retrouve pour le 29e épisode. Enfin, il me semble que c'est le 29e, hein, si je ne m'abuse. 29e épisode donc de ma deuxième saison sur Factorio. Alors dans l'épisode précédent, nous avions fabriqué les circuits avancés et les circuits électroniques. Et j'avais une grosse pénurie de fer. Du coup, j'ai passé pas mal de temps en off pour tout vous dire. J'ai passé toute ma soirée d'hier en off. J'ai fait de nouveaux gisements de fer. Je pensais faire des nouvelles lignes de cuisson. Finalement, j'ai décidé. Là, j'ai rajouté deux nouvelles lignes pour la cuisson du fer. Du coup, on a quatre lignes pour le fer et une ligne ici pour le. Toujours pour l'acier. En fait, ça n'a pas bougé. Malheureusement, mauvaise nouvelle, j'ai perdu mon tank, j'avais pas mal de matos dedans. En fait, c'est en revenant sur mes pas, juste avant de couper la vidéo, j'ai malencontreusement foncé sur un train et il avait pas assez de vie pour pouvoir tenir tout simplement. Donc là, on va passer directement, alors on va faire un petit tour. Ce qui est quand même pas mal de modifs. Là, vous pouvez voir ici l'apparition d'un nouveau rond-point. Tout simplement, voilà, pour pouvoir ajouter le croisement ici, j'avais besoin d'un petit rond-point. Et sinon, j'ai fait quelques modifs. J'ai supprimé le rond-point ici car il y a beaucoup, beaucoup de trains qui passent ici. Et du coup, ça bouchonnait tout le temps en fait. Donc j'étais obligé de rallonger la ligne droite pour qu'il y ait un meilleur trafic. Voilà, et donc ici, j'ai fait mon nouveau système de chargement. Et il va falloir en fait que je modifie l'écartement des rails car là vous voyez en fait au niveau du cuivre il me manque un peu d'espace, j'ai pas pu me placer mes répartiteurs. Du coup là je me suis arrangé autrement pour changer les trucs. En tout cas voilà, j'ai rajouté donc j'ai doublé le nombre de coffres pour le fer. Et du coup comme vous pouvez le voir ça produit à donf. Là les lignes sont vraiment blindées. Lui il doit être blindé, lui c'est pour le pétrole en plus. Mais par contre vous voyez que les autres trains ils sont à vide. D'ailleurs je me demande si c'est pas lui qui a détruit mon tank parce que je vois qu'il a plus de. Il a plus de vie au niveau du wagon. Du coup je soupçonne. Sachant que le tank voilà a mis beaucoup de dégâts au train malheureusement, voilà, comme je vous ai dit, il avait pas assez de vie. Et du coup il a fini par exploser avec je sais pas, il devait y avoir une quinzaine de stacks de charbon. J'avais fait un petit stock. Il y avait quoi? Il y avait des modules d'efficacité. Quoi? Non, j'avais récupéré en fait les modules d'efficacité. Ici, donc, deux nouvelles lignes de fer. Et je vois qu'ici, il y a encore un manque. On va rajouter encore un feu. Donc, la technique, en fait, dès que ça bouchonne ici, je rajoute un feu directement derrière pour que les trains puissent se mettre bien à la file indienne. Là, ici, pareil, on va faire la même chose. Ici, voilà. Pour qu'ils puissent s'avancer un petit peu et que les autres trains, voilà, puissent aller à quai. Donc là on voit l'acier. L'acier en a qu'un donc c'est pas un problème. En tout cas là on voit que parce que ça charge en masse. Et même malgré le fait que les tapis ici soient bien saturés, on voit que les coffres n'ont pas le temps de se remplir car il y a énormément de trains qui viennent. Mais on voit quand même que les wagons repartent avec beaucoup beaucoup de minerais de fer. Donc ça c'est plutôt cool. Donc très bonne opération. Et au niveau de l'usine, ça a rempli de nouveau le fer. Et là, on voit donc ce que je vous expliquais, c'est qu'au niveau des fours, alors là, on voit qu'ici, il n'y a pas assez de minerais visiblement. Pourtant, là, voilà, c'est pas faute d'avoir rajouté beaucoup de trains, comme vous pouvez le voir. Ici, j'ai rajouté énormément de trains. J'en ai mis deux en fait par nouveau gisement, plus les deux qui vont ici. J'ai également fait un petit test ici pour faire un raccourci. Malheureusement, ce croisement-là ne va pas du tout, car dès que les trains se retrouvent à la file indienne ici, ça bloque le croisement et du coup, ça crée un bouchon. Donc, j'ai été obligé de supprimer tout simplement ce croisement. Là, vous voyez, j'ai juste coupé le rail, je me suis pas embêté plus. Ensuite, j'ai fait quoi? J'ai rajouté une petite voie de garage ici. Alors, petite voie de garage, je vais vous montrer pourquoi j'ai fait ça. C'est tout simplement pour arrêter le stockage du cuivre et du fer. En gros, les deux trains là qui sont vides, ils partaient du stockage de minerai de cuivre et de minerai de fer. En fait, je les ai tout simplement supprimés pour faire un petit peu comme dans ma gare dans le multijoueur. C'est-à-dire que le minerai, enfin tous les trains vont du gisement directement à la cuisson. Et du coup, le minerai est directement transformé en plaque de cuivre et en plaque de fer pour être acheminé directement à l'usine, enfin stocké en sortie de four et après être acheminé dans les différentes gares. En tout cas niveau stockage je l'ai quand même bien amélioré puisqu'on voit que les tapis sont saturés, hein. Vous avez vu au niveau du fer j'ai apporté quelques améliorations. En fait j'ai supprimé une ligne de coffre
Et au niveau des fours électriques, il n'y a pas du tout de coffre, du coup, il n'y a pas de tampon de fer au niveau des... à ce niveau-là. Ici, donc, il reste le charbon, le pétrole qu'on voit, il me semblait en avoir vu. Voilà, le pétrole qui est ici. Donc là, voilà, il ramène les quelques bidons vides. Et on voit qu'il est toujours blindé au niveau des bidons pleins. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors là, les voies qui sont... Ah oui, d'accord, ça, c'est les trains qui allaient au fer. Voilà, on voit ici. Je vais supprimer les gares. De toute façon, ils servent plus à rien, ceux-là. Je vais quand même les garder ici de côté. Si jamais j'ai besoin de rajouter des trains plus tard, rajouter des gisements, je sais pas trop. Voilà, il y a les trains ici qui seront à disposition. Sachant que quand j'aurai terminé cette map, je la partagerai. Alors, je pense me configurer un petit compte Dropbox qui permet justement d'échanger des fichiers. Enfin, je connais pas trop, donc j'essaierai de bidouiller un petit peu, de voir ce qu'on peut faire. Mais j'ai vu que voilà, ça permettait d'échanger des données. Du coup, voilà, je pense que je ferai un Dropbox pour vous filer mes cartes de Factorio. Donc il y aura du coup cette carte-ci. Je vais lui demander un petit peu de charbon. Donc vous aurez la carte de la saison 2. Vous aurez également la carte du multijoueur. Parce que voilà, c'est des maps sur lesquelles on a quand même passé pas mal de temps. Et j'ai bien envie. Bah si vous avez voilà, envie de profiter, de modifier, peut-être améliorer aussi mes systèmes. Hein. Parce que là, on voit du coup au niveau des trains, bah, je sais pas si vous avez vu au niveau du multijoueur. Alors normalement, au moment où je posterai cet épisode, la saison multijoueur devrait terminer. Si je ne m'abuse, à vérifier, mais je crois que oui. Et on sera même peut-être sur une nouvelle série en 0.12. À voir. Je peux pas dire à l'avance, mais il me semble. Et d'ailleurs, j'ai plus de radar ici. Il me manque des radars. Bon, on va aller les placer du coup, parce que j'en ai en stock normalement. Ouais, j'en ai trois en stock. Donc on va les mettre les radars. Si je me trompe pas de touche. Et du coup, on va aller à une. Bon, allez, le charbon, c'est lui qui est le moins rempli. Du coup, qu'est-ce que je disais? Vous aurez donc la carte du multijoueur et la carte de la saison 2 à disposition. Et puis je crois que c'est à peu près tout ce que je disais. Je crois que je revois l'épisode de toute façon. Comme ça, je pourrais rigoler sur ma bêtise. Enfin bref. Du coup, on va enchaîner. Ah oui, puis vous pouvez voir également que j'ai arrêté de porter l'armure qui me permet d'avoir la vision de nuit. Ça m'a permis de rajouter pas mal de lumière au niveau de l'usine. C'est vrai que ça manquait un petit peu. Je vous avais pas montré également ici le gisement de fer qui s'est terminé. Et là, on voit que ça part très très vite, hein. On voit que ça part très vite. Du coup. Ah oui, parce que là, il y a celui-là. Non, pourtant, c'est pareil à peu près. Il y en a un de ce côté et un de ce côté-là. Enfin bref, on voit que au niveau du fer, ça produit un peu plus de ce côté-là, bizarrement. Je trouve ça plutôt étonnant. En tout cas, on va donc remettre le petit radar. Il était ici. En fait, j'ai tout simplement détruit tout le bordel qui était là avec les robots constructeurs. Voilà, donc rajouter le petit radar ici pour avoir la vision sur la gare. Ici, j'en ai pas mis, j'aurais peut-être pu en mettre. À la limite, on va y aller un peu, on va y aller à pied. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bouchonne? Non, non, ça bouchonne pas du tout. C'est juste qu'il y a énormément de trains au niveau du fer. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que je rallonge la gare. J'aurais peut-être pu faire ça en off d'ailleurs, parce que je vois que les panneaux sont suffisamment loin. J'aurais pu prévoir le coup. Enfin bref, on va pas le faire maintenant, hein. C'est pas le but. J'ai déjà passé beaucoup de temps en off. Et j'aurais bien aimé réparer ce wagon. Enfin, cette loco plutôt. Voilà. Ici on est bon. Et là vous voyez qu'il y a quand même énorme. En fait le fer arrive non-stop. Avec tous les trains que j'ai, bah, il y a 6 trains en fait de minerai de fer. Et du coup ça permet voilà, d'avoir un apport constant au niveau du fer. Et c'est vraiment ce qui manquait dans la base. Pour l'instant au niveau du cuivre ça va. Hein. J'ai toujours l'unique gisement au niveau de l'usine. Mais je vous ai pas montré, voilà, j'avais préparé une petite gare donc en parallèle. En fait au départ j'avais juste fait la double gare ici. Puis au final, quand j'ai vu qu'il y avait un excès de cuivre, bah, j'ai tout simplement abandonné l'idée d'exploiter le cuivre ici. Là, la gare de cuivre de l'usine est quasiment terminée. Je pense que je la remplacerai une fois qu'elle sera finie. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, non, j'ai gardé le chargement standard. Je vais récupérer les foreuses par contre. Tant que je suis là, hein, tant qu'à faire. Là, j'ai saturé le gisement aussi. Il n'était pas complet. On va mettre un petit radar ici.
à côté des tourelles, voilà, histoire d'avoir un peu plus de vision. Et là, il me manque un radar là-bas en bas, donc du coup, on va y aller avec le petit train. C'est vrai que maintenant que j'ai un circuit plutôt complexe, c'est quand même intéressant justement. Donc là, on va aller à FE2 ou FE1 plutôt. FE1, je crois. Ce sera mieux de le mettre FE1. Donc qui... ça, c'est la gare FE. Et les deux gares de fer s'appellent tout simplement FE1 et FE2. Apparemment, ils trouvent que c'est plus court par là. Pourquoi pas, hein, moi je dis pas. Sinon, oui, ce que je vous avais pas dit par rapport à cet épisode, il va être plus long que les autres, tout simplement parce que je crois que c'est sur les trois. Je sais plus, c'est les deux ou trois derniers. Il faisait moins d'une demi-heure. Et du coup, là, je me suis dit, voilà, on va faire un petit débriefing justement sur tout ce que j'ai pu faire en off, hein, sachant que j'ai quand même passé pas mal de temps. Bon, j'ai pas mal cogité aussi sur les trucs. Là, on voit que mon système de four ici ne fonctionne pas. Enfin, il est pas au point puisqu'il n'y a pas assez de minerais. Alors qu'au niveau des fours électriques, ça a l'air d'être bon. En tout cas, vous voyez qu'au niveau de l'éclairage, là, on voit à peu près. Par contre, j'ai l'impression que j'ai oublié d'en mettre au niveau des fours. À la limite, on va voir ça. Par contre, attention. J'allais dire merde. Voilà. Bon, petit fail. Du coup, on va retourner au train après. Je vais aller mettre les lampes. Au pire, j'ai les trains ici en voie de garage, donc c'est pas trop grave. Je sais que ma loco est au gisement de fer. Il faudra que je la récupère, évidemment. Donc ici, voilà, on va mettre une petite lumière là. Et là, on va en mettre deux parce que la ligne est un peu plus longue. Voilà. En fait, je pensais tout simplement qu'il allait suivre les autres trains, mais j'avais pas pensé que, vu qu'il s'arrête pas à la gare, il prend forcément la voie la plus disponible. Mais bon, c'est pas très grave puisque j'ai ma voie de garage qui me permet justement de récupérer des trains. Et puis, bah, s'il y a des trains en rab, je leur dirai de revenir ici, tout simplement. Voilà, on va enlever les wagons pour aller plus vite. Et là, on va aller, donc c'était FE1. Allez, zou. Par contre, ce que j'espère, c'est qu'il n'y a pas d'autres trains qui vont aller se fourrer là-bas en bas. Là-bas, là-haut. Parce que, à savoir que la voie de garage présente quelques problèmes. Bon, j'aurais éventuellement pu la modifier, mais bon. C'est pas très très grave. Voilà, donc là, la nouvelle ligne de train qui passe ici. Et là, on arrive, voilà, à la gare de fer numéro 1. Donc là, je vais enlever ce train, je vais remettre les wagons. Mince. Hop. Je veux l'atteler directement. Ah, on peut pas? Ah, ok. On va le faire manuellement. Du coup, quand je me souviens plus de la touche. C'était quoi déjà? C'est une touche, je m'en rappelle jamais. Connecter, c'est G. D'accord. Voilà, c'est bon. Ok. Là, on est bon. Donc, toi, tu vas retourner au garage. Garage, garage, voilà. Il va retourner donc là où il était. Le petit train qui est ici, voilà, donc tout simplement, hein, j'ai fait des gisements. Et vous voyez aussi également, voilà, là il vient de terminer la recherche sur les robots de combat. Donc là, en fait, il me reste que le missile de défense à faire et le nombre de robots de combat que j'ai terminé au niveau 12. Recherche qui a été très très longue, hein, puisqu'il faut 1000 potions de chaque. Et là, ce qu'on va faire... On va faire la même chose, enfin, il faut toujours 1000 potions, sauf que là, ça va être deux fois plus long, puisque vous voyez qu'il faut deux fois plus au niveau du temps de recherche, même si je pense que la recherche se terminera plus rapidement, étant donné que je sais pas en fait, étant donné que j'aurai pas de problème de fer, voilà. J'avais une grosse pénurie de potions justement due au fer. Et bah là, ce ne sera pas le cas puisque j'ai refait les provisions. Donc là, vous voyez les trains qui sont en file d'attente, évidemment, qui attendent l'arrivée du fer. Lui, pourquoi il s'est arrêté? Je sais pas trop. C'est assez bizarre. Peut-être à cause du train qui était juste avant. Là, il faudrait que je rajoute des feux à l'entrée des croisements aussi pour fluidifier. Là, on voit le train qui s'est arrêté un peu pour rien. Lui, je vais le laisser. Non, je vais pas le laisser parce que le fer, on voit que. Pas la gloire. Vous voyez, j'ai que 600 de minerais, c'est pas énorme. Je vais en rajouter un petit peu d'ailleurs. Et puis voilà, au niveau de l'usine, il y a peu de changements, je crois pas. Oui, j'avais un moment, m'étais dit peut-être fabriquer les fours électriques, puis finalement je l'ai pas fait. Et là, on voit qu'il y a toujours un problème au niveau des potions vertes. Enfin, les potions vertes qui se fabriquent, en fait, pendant un gros moment, il n'y avait plus de fer pour faire les bras.
Et du coup, bah, ça posait des soucis. Et du coup, là, je me demande si je vais pas améliorer ça. Ah, par contre, j'ai plus de tapis standard. Je vais mettre du rapide, on va s'embêter. Express, ça sert strictement à rien ici. On va mettre du rapide et je vais rajouter donc par ici à peu près. Voilà, on va rajouter par ici. Ah bah du coup j'ai mes tapis standards au final, mais bon. Même si en soi ça ne changera pas grand chose. Du coup ouais, je vais pouvoir me remettre quelques machines d'assemblage. Là on va en récupérer en masse des machines d'assemblage pour pouvoir faire. Je sais déjà plus. Et j'ai même pas de bras normaux. C'est une honte. Donc oui, des machines d'assemblage pour pouvoir fabriquer masse masse truc. Et là, pourquoi il fabrique pas les bras? Qu'est-ce qui manque? Il manque des engrenages alors que tout à l'heure il était saturé. Ah, il y a de nouveau une pénurie de fer. Ah oui, parce qu'il y a qu'un seul il y a qu'un seul gisement. Du coup, bah, je vais mettre du rapide ici aussi. Là, on voit qu'il est plein ici. De toute façon, il y aura toujours des problèmes. Hein. Et bon, là, j'aimerais bien que les recherches avancent un peu plus vite. De toute façon, là, j'arrive sur les dernières recherches. Donc, à la rigueur, bon, c'est pas très très grave en soi. Mais bon, quand même. Ça fait toujours plaisir d'avoir des recherches en rab. Voilà. Si, déjà, avec le rapide, ça permettra d'avoir plus de machines d'assemblage qui produisent les trucs. Et ici, évidemment, un répartiteur rapide. Voilà. Là, ça va un petit peu mieux déjà. Alors là, pourquoi je laisse en normal? Tout simplement parce que pour l'instant, il n'y a pas besoin de. On voit que la ligne est pleine en fait. Du coup, voilà, il manquait juste les engrenages. Et là, on voit que c'est pareil au niveau des engrenages. Ça ne va pas du tout. Du coup, on va faire la même chose. Les tapis rapides, c'est pas un problème. Mais les engrenages, ça l'est. Et on voit qu'il y a toujours il y a toujours un souci de fer. Le train met trop de temps. Je pense qu'il en faudra un deuxième. Malheureusement, au niveau du stockage, je pense pas que ça suivrait. Quoique, je dis ça, j'en sais rien. Toujours est-il que voilà, on va rajouter un petit. Deux machines d'assemblage supplémentaires. Et il va manquer du coup les bras toujours. Donc là, il va falloir plus de fer. On voit qu'il est toujours pas arrivé, donc clairement, il faudrait que j'arrive à avoir un peu plus de fer. Là, j'ai mal au co, mais c'est mal au co personnel. Du coup, tant pis, on va rester comme ça pour l'instant. Et on va s'occuper des modules. Donc là, je vais récupérer des machines d'assemblage. Alors, qu'est-ce que je peux enlever là-dedans? Bah ça, j'en ai plus besoin. Tout ce qui est circuit électronique, de toute façon, je vais arriver, enfin, je vais aller à l'endroit où il y en a masse. Du coup, je vais pas en avoir besoin. Par contre, les machines d'assemblage, on va en mettre 100. Pourquoi? Parce que il faut 4 modules de niveau 1 pour faire un module de niveau 2 et 4 modules de niveau 2, enfin un module de niveau 3. Du coup, on va faire plusieurs lignes en fait de production pour les différents modules. Je ne sais pas encore vraiment comment je vais faire. Du coup, on va y réfléchir dans cet épisode. Peut-être que ça prendra 2 épisodes à voir. Je sais pas trop, mais en tout cas, c'est le dernier objectif de cette aventure. Donc là, vous voyez, au niveau de l'usine, j'ai à peu près tout éclairé. Par contre, je vais pas éclairer la gare. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Si je fais ça, normalement c'est bon là. Ouais. Il devrait pas passer. Il va s'arrêter au feu, voilà. Et du coup, on va aller à Elec. Elec est plus haut par contre, hein, c'est par ordre alphabétique. Voilà. À la gare d'électronique. Et on va aller. Là, au niveau des ressources, c'est saturé évidemment, puisque bah, je n'ai aucun tampon et en plus de ça, bah. Je n'ai pas un seul. Bah, il n'y a rien qui. À part les circuits en masse, il n'y a rien d'autre. Du coup, c'est normal. Voilà, donc là. Et lui qui fait toujours son petit voyage. Voilà, là, on a le fer qui est arrivé. On va supprimer ça. Donc là, voilà, on se retrouve au niveau de mes trucs. Et sinon, aussi, une belle erreur que j'ai faite. C'est que j'ai amené les sorties ici en haut, alors que j'ai dit que ma gare de sortie serait en bas. Du coup, ça c'est un peu dommage. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Je vais peut-être faire un rail qui fait le tour, je sais pas trop. Ou alors je récupère ce rail ici.
Bon, après, je la fais où la sortie? C'est ça le problème. Donc, pour l'instant, on va déjà se faire donc les circuits normaux. Pour ça, il me faut donc la ligne de cuivre et la ligne de la ligne de cuivre, n'importe quoi. Ici, une ligne de circuit électronique et une ligne de circuit avancé. Je vais remettre mes raccourcis comme il faut d'ailleurs. Parce que là, je vois que tout s'est mélangé. Voilà, comme ça, c'est mieux. Avoir voilà mes différents tapis à disposition. Donc là, ligne de circuit électronique et ligne de circuit avancé. Il faudrait que je la divise en deux ou trois. Genre la faire ici. On verra, on va voir. Ce que je vais faire du coup, c'est que déjà les circuits, on va les mettre comme ça. Et ceux-là, on va les mettre comme ça. Comme ça, je peux récupérer ma ligne de circuit avancé ici. Et pour les circuits électroniques, on va faire un petit souterrain là. Un autre souterrain ici. Voilà, donc ça, ce sera la deuxième ligne. Je sais pas s'il faut vraiment deux lignes, mais pour l'instant, voilà, on va commencer par ça. Alors par contre, la base là-haut est assez proche, donc je vais peut-être aller la défoncer. Je pense que ça peut être intéressant. Sachant que par ligne, on peut faire deux rangées de machines d'assemblage. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Donc là, ce sera uniquement pour les modules de niveau 1. Donc là, j'en ai 4, 8, 12. C'est parfait. Je pense que 12, c'est bien pour commencer. Par contre, j'ai pas pensé au poste électrique. Est-ce qu'il m'en reste? Oh oui, ça va. J'avais refait un stock. Autant pour moi, je n'ai rien dit. Et là, malheureusement, c'est décalé. Oh, ça, c'est chiant, par contre, quand c'est décalé comme ça. Du coup, je vais faire comment mon histoire? Parce que là. Ah ouais, non, j'ai pas le choix. Faut que je le décale, je suis obligé. Je suis obligé de le décaler vers le bas. Donc, on va faire en sorte que le tapis des modules sorte ici. Et du coup, on va décaler lui vers le bas. Bien comme il faut. On va donc tout décaler. C'est vrai que là, j'ai fait un peu au pif. Au niveau des mesures, mais ça, on va éviter. Sachant que voilà, là j'ai déjà eu un problème ici, ça a fait un énorme trou au niveau du truc. Donc ça vraiment y penser, hein, faire les. Anticiper un peu les placements justement des postes électriques. Je pense que c'est pas mal. Voilà, et donc là on aura genre une rangée, ce sera pour les modules de vitesse. À la limite, je vais même faire deux rangées que pour les modules de vitesse. Je me demande même si ça vaudrait pas le coup de faire. Une ligne de production pour la vitesse, une autre ligne pour la productivité et une autre ligne pour l'efficacité. À voir. Pour l'instant, on va rester comme ça. Donc, je vais décaler du coup ça et ça. Voilà, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a 3 tonnes de circuits et que j'ai déjà un stack dans mon inventaire. Ça, c'est pas très cool. Mais bon, c'est pas trop grave en soi non plus. Donc, là, c'était ici et. Là, c'est express hein, pour les circuits électroniques. Je préfère avoir plus de circuits électroniques, évidemment. Pourquoi j'ai plus mes raccourcis là? Ça y est, j'ai encore tout mélangé. Ah oui, parce que j'avais mon radar ici. Voilà, c'était par là, hein. C'était par ici. Voilà. Là, on avait les souterrains. Ici, on a les souterrains. J'aurais jamais assez de place, je pense, pour tout prendre. Ouais. C'est bien ce qui me semblait. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, on va mettre un stack de ça et un stack de ça. Voilà, ça permet de refaire un peu les stocks dans les machines. Et on voit que là, il a déjà commencé son travail. Les modules de vitesse en masse. Du coup, ici, tapis express pour celui-là. Voilà, et tapis rapide pour les circuits avancés. Alors en soi, j'aurais pu mettre un tapis rapide pour les deux, mais vu que les circuits se fabriquent vraiment en masse, je me dis que c'est pas mal de mettre un petit truc express. Du coup, maintenant, je vais pouvoir mettre mes postes. Donc il y en a un là. Hop, il y en a un ici. Tac, et un autre ici. Sachant que là ça passe, hein, sans aucun souci.
C'est juste que je vais démonter tout ça, donc ça je vais pas m'embêter. Un petit robot port par ici, hop. On va mettre donc mon petit stack de robots constructeurs et on va démonter tout ça de manière totalement automatisée. Hop, 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 hop. Voilà, c'est quand même légèrement plus rapide, hein, vous y conviendrez. Et par contre, pourquoi il me dit qu'il manque de robots? Ouais, non, ça c'est une bêtise. Et comment ça se fait que... C'est parce que j'avais ça, non? Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, il les a pas mis dans le coffre. Mais bon. Tant pis. Tant pis, tant pis. Et là, normalement... Ah non, il n'y a pas l'espace, hein. C'est fou, ça. En fait... Je peux pas mettre... Il n'y a pas assez d'espace pour mettre deux rangées. Du coup, il va falloir que je décale de deux. En fait, il faut pas que les tapis soient alimentés. Et du coup, je vais être obligé... De toute façon, les tapis, il n'y a pas besoin de les alimenter déjà. Il va falloir voilà, simplement que je les décale de 2 vers le haut. Et je serai obligé de mettre un poteau pour relier les postes. Ou alors je mets peut-être avec un poteau moyen. Bon, il faudrait que ce soit ici. Donc on va mettre un grand. On va mettre un grand poteau. Ah, ça c'est chiant par contre. Si... Ah oui d'accord, c'est juste un poste. Donc pose F. On va juste mettre voilà, un grand poteau ici. Pour pouvoir relier des deux côtés. Et là on fait encore donc les modules de vitesse. Donc là vous voyez qu'on arrive déjà à 26 minutes de vidéo. Et pourtant j'ai à peine de commencer. Donc attendez-vous à un bon quart d'heure de plus je pense. De toute façon là on va faire plus ou moins la même chose. Mais avec les modules de productivité et d'efficacité. Puis on verra après pour les niveaux 2 et niveau 3. Peut-être au prochain épisode. En fait, ce que j'aimerais dans l'idéal, c'est avoir vraiment une grosse production des différents modules et pouvoir récupérer donc dans les trains des modules de niveau 1, des modules de niveau 2 et des modules de niveau 3 de chaque catégorie pour vraiment avoir tout ce qu'il me faut dans l'usine. Sachant que là, au niveau des crafts de l'usine, bah, je suis limité seulement aux crafts nécessitant des modules. Je pense notamment au robot d'attaque, à l'armure MK2 également, puisqu'il faut des modules de niveau 3. Il en faut très peu. Le missile de défense, on va pas le faire, ça sert à rien. Ça demande beaucoup de ressources et bah maintenant il sert plus à rien puisqu'il y a juste le compte à rebours et puis après terminé, il se passe plus de 100 plus d'images. Du coup là voilà, on a déjà les modules de vitesse en masse. Par contre pourquoi ils en... Si, ils doivent en produire là normalement, non? Ah non, parce que j'ai pas mis les bras longs. Du coup voilà, on va mettre les bras longs. Donc là, vu le temps de fabrication des modules, je pense pas qu'on aura de problème en termes de ressources. Enfin, du moins pour l'instant, on va pas y avoir de plus de problèmes que ça. Et j'ai toujours pas les tapis rapides sur moi. D'ailleurs, je vois que j'en ai presque plus. C'est vrai que j'ai pas pensé à en récupérer à l'usine. Je pensais en avoir suffisamment. Visiblement, ce n'est pas le cas, j'ai l'impression. En tout cas, on voit, voilà, j'ai déjà un bon petit stock de modules. Que je vais pouvoir utiliser. Bah non, je peux pas les utiliser. Ah, et puis il y a les machines d'assemblage 3 aussi. Qui pourraient être intéressant à faire, notamment peut-être pour les processeurs. Sachant que là, niveau technologie, j'ai tout maintenant. Donc c'est pas vraiment un souci. Hop, voilà. Et on remet celui-là. Comme il faut. Voilà, donc là, on a nos 24 machines qui tournent pour faire donc les modules de vitesse. Donc là on va faire la même chose. Alors, par contre on voit que je vais manquer de modules d'efficacité. Bah à la limite tiens, on va faire on va fabriquer les modules d'efficacité. Mais avant ça il va falloir que je détruise la base au nord. Parce que là je vais clairement manquer d'espace. Ouais. On va m'embêter ici. Capsule de poison. Normalement j'ai mon armure de combat si de souvenir. Par contre j'ai oublié de reprendre des capsules. Donc du coup on arrive à 29 minutes. Ah, ça m'embête un peu parce que c'est un peu court. J'aurais bien aimé en faire un peu plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les modules d'efficacité et puis on arrêtera là. Là, la base, elle est assez grosse et j'ai plus de... Bah déjà, j'ai plus de tapis. Et je n'ai plus de capsule en fait. Capsule de ralentissement, j'ai tout utilisé lors de mes derniers combats. Du coup, j'en ai plus du tout.
Donc là, on fait la même chose ici, hein, tout simplement. À la limite, je finirai peut-être en off, parce que bah, maintenant, vous avez vu un petit peu l'idée. Et je vous retrouverai pour faire les modules de niveau 2 et de niveau 3, ainsi que les derniers crafts. Donc là, tout simplement, il suffit de continuer les tapis. Ah, j'aurais pu mettre des tapis express ici. Ah bah là, on voit que ça manque direct de circuit avancé. Ça manque déjà de circuit avancé. D'accord. Oui, parce que c'est long à fabriquer. Donc ça, déjà, c'est un gros, gros, gros problème. Pour ne pas dire un énorme problème. Donc il va falloir que je rajoute... il va falloir que je rajoute des trucs. Évidemment. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter ça. En attendant. Et je vais récupérer les tapis. Je vais rajouter des machines pour les circuits avancés. Est-ce que ça y va là-bas ? Non, ce que je veux faire, c'est récupérer juste les tapis, en fait. Pourquoi je m'embête? Ah oui, d'accord, c'est ça. Ils me les mettent directement dans mon inventaire, puisqu'ils sont dans les emplacements logistiques de mon personnage. Donc ça, c'est plutôt cool. En fait, il suffit juste de mettre les ressources dans l'emplacement, et puis c'est mort, quoi. Plus besoin de, vraiment d'avoir de coffre. Du coup, ouais, là, en fait, il faudrait même que je double la production. Sachant que là, ouais, au niveau des ressources de cuivre et de fer, ce n'est vraiment plus un souci, hein, comme on a pu le voir. Ici, par contre, je vais un peu loin. Alors, comment que c'était foutu? C'était comme ça. Ouais, c'était comme ça ici. Là, on vient par là. Ici, j'en ai deux. Comme ceci. Un petit répartiteur pour que ce soit sûr de ranger et du tapis express. Ah non, c'était comme ça. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, je pensais que ça suffirait au niveau des bras, au niveau des circuits avancés, mais en fait, on voit que ça consomme. Hein. Et là, c'est que... Pour l'instant, j'ai fait que les modules de vitesse et de niveau 1. Donc, c'est vraiment... Voilà, pour vous dire que bah, c'est pas gagné, déjà. Ça, c'est clair. Je pense que là, circuit avancé, il va falloir que je fasse une énorme production. Donc ça, je le ferai peut-être en off. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller. En tout cas, il va falloir que je modifie tout ça. D'accord, bah, j'ai même plus de bras longs. Décidément, l'organisation et moi, ça fait deux. Hein. Mais ça, vous devez commencer à le savoir à force. Depuis le temps que vous me voyez jouer, justement. Et du coup, voilà, on va... avancer tout ça ici. Je vais lancer déjà, voilà, mettre cela un peu tout ça par ici. Là, on récupère le cuivre et là on voit que au niveau des ressources c'est blindé. Je me demande, ça vaudrait pas le coup de mettre des modules de vitesse ici pour les circuits avancés, parce que là on voit quoi, il n'y a pas du tout de trucs. Par contre, ouais, les modules, ça va bien au niveau de la production. Là, on voit que les tapis sont saturés. J'ai déjà un stack de modules de vitesse. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les modules de vitesse dans l'assemblage des circuits avancés. Je pense que ça peut être une bonne idée en soi. Hop. Et là, évidemment, il me manque toujours un petit truc juste pour m'embêter. Ah, incroyable, ça. Voilà. Donc là, voilà, une nouvelle production de circuits avancés. Et ouais, je vais mettre des modules de vitesse ici. Même si ça va augmenter la consommation. Parce que là, on voit qu'on a vraiment besoin. Après, quand j'aurai les machines d'assemblage de niveau 3, ce sera beaucoup mieux. Bon, déjà, là, ça devrait aller un petit peu mieux. Voilà, ça a quand même bien accéléré le truc. Par contre, il y a 40% d'électricité en plus. Ah non, 100%. D'accord, ça double carrément la conso. Du coup, ouais, c'est quand même assez violent. En tout cas, on a une production plutôt correcte. On voit que là, les circuits avancés reviennent. Mais on voit que c'est largement insuffisant. En fait, il me faudrait plus ou moins la même chose, mais sur des tapis express. Et par contre, du coup, si je clone un peu tout ça, je vais être obligé de répartir comme je faisais avant. Voilà, mon système à l'ancienne.
Et on va mettre du tapis express pour les circuits avancés. Il en faut masse. Il en faut masse et de toute façon maintenant il faut que... Il faut vraiment que je mette du tapis express de partout pour plus de ressources et pour que ça aille beaucoup plus vite. Oula, par contre si je mets ça dans l'autre sens, voilà. Ça marchera pas très bien. Par ici, hop, le tunnel, voilà, on va remplacer ça. Après je vais vous. Après je vous abandonnerai malheureusement. Je sais que vous attendez la suite avec impatience. Moi de toute façon je vais enchaîner la suite. Alors je sais pas si j'aurai le temps de finir ce soir. Comme je disais là je tourne. Bah je tourne le lendemain en fait du dernier épisode. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Ah. Là il y a un problème. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est lui qui va pas. Tac. C'est celui-là. Celui-là c'est de l'avancée. Celui-là c'est de l'avancée. Comment j'ai foutu mon bordel? Donc là on est comme ça. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Mince. Je sais plus comment c'était là. Ça marchait très bien mon truc. Ça marchait très bien. Lui, c'était celui-là, on est d'accord. Lui, il va là. Ah, comment que j'avais foutu mon machin? Merde. Emed, Emed. Que je revois la vidéo, bah, je vais faire une petite ellipse, je vais revoir ma vidéo parce que je me souviens plus comment c'était foutu, donc je vous dis à tout de suite. Bon, je vous retrouve, en fait, je viens de comprendre, donc c'était foutu exactement comme ça, hein. C'est-à-dire que lui arrivé là, en fait, vu que c'était deux types de tunnels différents, ça fonctionnait, sauf que bah, maintenant on est sur du bleu, sur les tapis, enfin les souterrains express du coup, et donc ça ne marche plus, donc tout simplement je vais faire le plan B, c'est-à-dire... Le mode zigzag sans tunnel et là voilà on arrive ici. Donc là il va falloir que j'enlève du coup les circuits standards que j'avais mis. Là on va remplacer comme d'habitude. D'ailleurs j'ai remplacé par du rapide. Ouais, d'ailleurs je pourrais venir par ici en fait. Pourquoi il n'y a qu'un seul côté? Non c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà, là on a bien vidé le bordel. Et par ici. On arrive. Voilà. Et là, du coup... Là, du coup, c'est exactement la même chose. Enfin, le même problème. Ce que je vais faire, bah, du coup, je vais redécaler lui. Maintenant. Donc, chacun son tour. Hein. Voilà, donc c'est bien ça. C'est que en fait, on peut croiser les tunnels si les tapis sont pas les mêmes. Ce qui n'est pas très réaliste en soi, mais le jeu le permet, en tout cas. Bon, bon. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Là, par contre, on va virer ça. Et on va mettre ici. Voilà. Donc là, du tapis express pour les processeurs. Donc même si en soi, pour les processeurs, il n'y en a pas spécialement besoin. Voilà, on voit que la production est largement insuffisante. Hein. Ça va pas du tout, ça. Ça va pas du tout. Il faudrait que les tapis soient pleins. Du coup, je pense que cette ligne de circuit avancé, bah, je vais la continuer. Quoique là, on voit que le plastique commence à partir. A voir, de toute façon il me faut les modules de production niveau 3. Ça c'est clair. Et là du coup voilà on peut venir ici pour amener les ressources. Et là on est bon, je vais pouvoir enchaîner là-dessus et là-dessus. Là normalement il n'y a plus de soucis. C'est vrai que c'est un beau bordel en fait ce que j'ai fait ici. Après voilà, tant que ça fonctionne, c'est peut-être pas des plus optimisés mais au moins c'est fonctionnel. Là, on va venir là, ce sera plus joli. Voilà. Ensuite, du coup, on revient ici. Et ici. Voilà, et là, on voit donc tous les circuits électroniques. Je vais les récupérer. J'ai déjà plus de tapis express. Ah, ça, c'est un peu embêtant. Par contre, là, j'ai beaucoup trop de circuits. Ok, là, c'est bon, j'ai un petit stack que je vais en mettre, voilà. Cadeau, voilà. En tout cas on voit qu'au niveau des modules, alors je pense pour les modules de niveau 1 ça suffira largement.
Mais voilà, on voit qu'au niveau de la production derrière, ça suit pas. Du coup, il va falloir revoir un petit peu tout ça. Donc là, voilà, je vais mettre ça. Donc comme je disais, voilà, en haut, je vais faire la même chose ici pour les modules d'efficacité. Parce que là-dedans, je mettrai les modules d'efficacité, évidemment. Là-dedans aussi, d'ailleurs. En tout cas, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye!